frisson de la chanson. Vous savez les abonnés, un tour du 68, hein. Nouvelle sortie détection. Je sais pas, je pense pas que je vais faire la journée, on verra. On verra ce que ça va donner. Là, il fait moins 4 degrés. Mais ça va, c'est un froid sec. Et donc là, on retourne dans le champ où j'avais fait la blanche. Où, ben, là, comme vous pouvez le voir, il y a les lignes en tension. Mais bon, la dernière fois, ça ne m'a pas trop gêné. C'est pas trop grave. Hein. Ça va. Et bon, ben, écoutez, qu'est-ce que je vais faire, ben, je rallume dès que j'ai une première trouvaille. Hein. Voilà. C'est cool, ça va, il fait bon. Ils ont prévu de la neige aujourd'hui. Pour l'instant, il n'y a rien. Ça devrait arriver cette nuit. Ça devrait arriver cette nuit. Voilà, voilà. Allez. Je vous dis à toutes. Voilà, première cible pour moi. Je viens du bout là-bas. Exactement. Et donc là, j'ai un premier son. Soit là au-dessus des lignes à haute tension, ça perturbe assez hein, quand même. Et donc là, j'ai un indice à 12,37, hein, je crois. Il me semble. Hein. Ouais, c'est ça. 12,34, 12,36. À 11 cm. Et on va regarder ce que c'est. Et donc, comme vous pouvez le voir, j'essaie de faire un maximum de live. Hein. Voilà. Bon, voilà, nouvelle cible pour moi. J'étais au fond là-bas. Hein. Et donc là, j'ai une première cible ici. Un indice à 12,37. Hein. Ouais, 12,38 à 7 cm. Et donc, on va voir ce que c'est exactement. Hein. Hop là. C'est là. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, c'est ça. Encore du plomb. Par contre, ça c'est un morceau de plomb intéressant. Non, même pas. Non, non, morceau de plomb. Allez, je rallume. Prochaine trouvaille. Voilà, nouvelle cible pour moi. Elle est ici. Donc c'est la deuxième. Et donc on va voir exactement ce qu'on a là. Je pense pas que c'est quelque chose d'extraordinaire. Je pense plus à une merdouille. On va voir ça. Hop là. Alors? Ah, c'est là. C'est là-dedans. C'est là. Ok, c'est ça, ouais. Ouh, ça peut être intéressant ça. Ouais. Ça peut être intéressant ce petit objet là. À tout de suite. Voilà, troisième cible pour moi. Et ça se passe ici. Un indice à 12,37 je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Merdouille. Allez, prochaine trouvaille. Voilà. Toujours rien. À part les trois trouvailles que j'ai faites avant. Donc j'ai fait la rangée là. Et je suis revenu ici. Et puis là, je me tape un petit thé. Voilà. Et je vous dis à la vôtre.
Mais ça va, ça aggrave, il fait pas trop mauvais. Hein. Quelques petits flocons de neige qui tombent, mais voilà. Rien de désagréable. Par contre, la ligne en tension, elle me fait hut. Hein. À chaque fois que je passe en dessous, c'est une catastrophe. J'ai beau éliminer les interférences. Voilà, comme vous pouvez le voir. Allez. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Voilà. Bon bah écoutez. Je termine de monter et puis. Et puis on continue. Hein. Faut pas désespérer. Je pense qu'il doit y avoir encore de belles surprises à faire là-dedans. Puis sinon, j'irai dans un champ à côté. Il y en a plein autour de moi, mais loin des lignes à haute tension là. Allez, je termine de monter et puis je rallume. A tout de suite. Voilà, nouvelle cible pour moi. Ça se passe ici. Et c'est une boucle de ceinture. Reste de boucle de ceinture. Voilà, donc là j'ai repris il y a quoi? Il y a entre 5 et 10 minutes. Et c'est mon premier trou. Parce que là je suis un peu en dessous, un peu éloigné des lignes. Je suis pas si loin que ça. Parce qu'elle me casse ses bonbons. Allez, prochaine trouvaille. Un nouvel indice. Et c'est déjà des sorties de terre. Voilà. Ça peut être intéressant. Hein. Un indice à 12:38. Le trou était là-bas. Hein. Le second, hein, le premier. Là où il y avait le reste de boucle. Voilà. Bon allez. Je rallume après les trouvailles. Voilà, nouvelle cible pour moi. Après la dernière, le dernier objet. Qui était juste avant. Et là j'ai une nouvelle cible. Alors c'est un double son, c'est soit une petite monnaie ou un petit objet, un objet à 12:32. À quoi 7 cm, donc c'est juste là. J'ai pas besoin de faire des. Ah ben je crois que c'est ça. Ok, regardez. Ok, c'est ça, c'était même pas enterré. Regardez, c'est juste là. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Hop là. Ah, c'est ça là. Hop. Un reste de grelot. Dommage. Dommage. Bon, bah, allez. À la prochaine trouvaille. Voilà, nouvelle cible pour moi. Une nouvelle cible ici. Alors, par contre, ça sonnait très très mal. Hein. D'abord, j'ai cru que c'était un appôt. Parce que ça sonnait à 12:31. Et puis après, j'avais un son un peu plus merdique. Donc, à mon avis, c'est rien d'exceptionnel. Hein. Déjà, ça sera pas une monnaie, ça c'est sûr. Alors. Où ça? Déjà là j'ai une merdouille. Ok, voilà. Donc là j'ai un clou. Vous pouvez voir un vieux clou. Voilà. Et donc là, on va vérifier une seconde fois exactement s'il y a quelque chose d'autre. C'est bizarre. Exactement, ouais, c'est ça. Il y a quelque chose ici. Donc il y avait bien le clou et j'avais quelque chose d'autre. C'est pour ça que ça sonnait bizarre. C'est pour ça que ça sonnait bizarre. Donc on va vérifier de nouveau. Hein. Il y avait bien une deuxième cible. C'est pour ça que j'ai creusé en fait. Ouais, là, vous voyez, une boucle de ceinture. Ok, super. Une boucle de ceinture. Ok.
Allez, prochaine trouvaille. Voilà. Nouvelle cible. Et ça se passe ici, hein, à plus de. Plus de. Ouais, je sais pas. Hein, comme vous pouvez voir la pelle, hein, la taille. Et c'est ça. C'est un gros. Je sais pas, encore une boucle. J'en sais rien. On va mettre le gant pour pas se salir. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On aura une grosse boucle. C'est bizarre. C'est rien. Aucune idée. Mais en tout cas, ça sonnait mal. Ça sonnait très très mal. Mais bon, après, vu la profondeur, c'est normal. Vu que c'est de la merde. Allez, prochaine trouvaille. Voilà, une nouvelle cible, c'est là-dedans, pas très profond, hein. Ouais, 10 cm, 10-12 cm, hein, même pas. Et donc là, on va regarder ce que c'est. Alors, hop, ah. Ok, voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Il y a des petits motifs dessus, c'est joli. Peut-être un reste de décoration, de meubles. Je sais pas. Il y a des petites décos dessus, c'est joli. Voilà. Allez. Prochain travail. Allez. On va refaire un petit live. Hein. Et on a dit ça. 12-27. Hop, à 10 cm, je crois. Ouais. 10-15 cm. Hop, hop, hop. Par contre, j'étais pas loin. Hein. L'objet était juste. Là-bas, ça c'était la grosse merdouille, et puis je crois l'autre cible était ouais, juste là, je sais plus. Ouais, je fais demi-tour parce que là je suis sous les lignes en haute tension, et comme ça me saoule de passer en dessous, donc je fais demi-tour comme ça, ça me permet de faire au moins la moitié du champ. Alors, ok, voilà, voilà pourquoi ça sonnait très très mal un coup sur deux. C'est un bouton. Mais d'autre côté, il est rouillé. C'est pour ça. Donc il était sur la partie rouillée. Ça doit être très très mal. Allez. Prochaine trouvaille. Allez. Nouvelle cible. Ça se trouve ici à 12,41. Allez. Du laiton, hein, je pense. Alors, ah, ok, bah c'est la même merdouille que la dernière fois. En fait, côte, c'est marrant ça. C'est la même chose que la dernière fois. Voilà, un reste de plaque. C'est la même merdouille. Moi, ouais, je sais pas ce que c'était. Hein. Une protection, hein, pour l'engin agricole, hein, je suppose. Hein. Allez, bon, bah, prochain tour, hein. C'est long, hein. La vidéo est prête à être visionnée. Super. Alors. Magnifique. Ça a du bon quand même le progrès, hein. Voilà. Allez. Peace les amigos, les amigas. À tout de suite. On rallume dès qu'il y a une trouvaille. Voilà, nouvelle cible pour moi. Et là-bas, on a les chasseurs. Regardez. Il y en a là-bas.
Et il y en a au fond là-bas, dans les parages. Bon, je pense qu'ils vont bientôt rentrer parce que... Yahoo! Allez, celui-là, on va le ranger et on va se relever, pas que j'en prenne un plomb dans le cul. Allez! Allez, prochaine trouvaille. Allez, une nouvelle cible pour moi. L'objet, là, juste avant, il était là. Hein. Espèce de merdouille. Et là j'ai une 24 à 7 cm. Allez. Ah, ça serait bien que ça me sorte. Oh bah ouais. Ah super. Ah nickel. Regardez. Nickel. Ah c'est bien. Moi qui voulais une monnaie, bah regardez. Ah, mais bon. Le petit félix. Hein. Comme d'habitude. Je vais pas trop le frotter. Hein. Ouais, ça doit être ça. Hein. Ouais, c'est ça, un petit fenig. Putain, l'anti-brûlure. Oh la vache. Super. Ouais, je pense qu'il devrait bien sortir celui-là. Il est pas abîmé. C'est cool. Allez, ça fait plaisir, hein? Allez, c'est bien, il y a le soleil qui se lève, c'est bien là, juste là-haut, on peut le voir, c'est cool. Allez, prochaine trouvaille. Bon voilà, nouvel objet pour moi. En fin de compte, je suis entouré de chasseurs. C'est là-bas, chasseur là, il y a un chasseur sur un Mirador là-bas, puis j'en ai un qui est sur le côté. Oh, ils ont l'air sympas, ils sont pas chiants. Et donc là j'ai une nouvelle cible et elle se trouve ici. On va regarder ce que c'est exactement. Alors bon, ça sonnait bien et maintenant ça sonne pas. Oui, aïe, aïe. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Ok, voilà ce que c'était. Vieille plaque toute rouillée. Ok. Voilà. Allez, prochaine trouvaille. Bon, voilà. Là je me suis assis tranquillement, le détecteur il est là-bas. Là bah c'est cool, regardez ce petit soleil. Franchement. Ça fait vraiment du bien, franchement. Il va pas rester longtemps, hein, mais c'est ces petits moments comme ça qui sont agréables. Ça réchauffe, ça fait du bien. Ça réchauffe. Voilà. Et puis aussi le petit thé vert, il réchauffe aussi. Voilà. C'est cool. Allez. On va manger. Et puis on va reprendre. Mais pas longtemps hein, cet après-midi. Je pense que je vais faire encore 2 heures de détection, hein, pas plus. Le temps de terminer le montage vidéo, de la mettre en ligne sur YouTube. Voilà, ça prend du temps tout ça. N'oublie pas de claquer les doigts. Allez, à tout de suite. J'arrive, j'arrive. Tu m'attendais? Hein?
Salopard. Tu mériterais que je te laisse au milieu du champ là. T'as intérêt à me faire des trouvailles hein, cet après-midi, je te le dis moi. À part le Pfennig. On s'en fout du Pfennig. Les gens ils veulent voir de l'or, de l'argent, des trésors enfuis depuis des millénaires. Allez. Tu me fais la gueule hein? Bah ouais, je vois que tu me fais la gueule. T'es éteint. Allez. Je t'allume. Voilà, oh. Allez. On va mettre les gants. Hein? On va attaquer. Bon, le repas était bon. Super. Le soleil il est encore là. C'est bien. On va dire que j'ai mangé avec une pelle. Très très rapide. Voilà. Ah. Alors, j'ai reçu un message. Bon bah voilà, comme vous pouvez le voir, il neige à fond et c'est magnifique, regardez. Voilà, c'est super. Ah, c'est beau. Ça j'aime. C'est magnifique. C'est magnifique. Super. Ah, je suis trop content. Allez, ça tombe, mais alors, trop classe. Excellent. Bon bah écoutez, on va continuer, hein, ça n'empêche pas. Hein. Et dès que j'ai nouveau quelque chose d'intéressant, ben je rallume. Allez à toutes. Voilà, ben, je reprends ici avec le téléphone. Hein, parce que la GoPro, la batterie, elle est vide. Et là, donc là, j'avais juste un bouton ici. Et juste là. Donc là, j'ai une balle de chasse. Balle de chasseur. Voilà. Donc munitions, munitions. Je le mettrai avec la photo. Voir ce qui est écrit exactement. Bon, c'est une balle, ça en aluminium. Allez, prochaine trouvaille. Nouvelle cible pour moi. Attendez, je vais remettre le gant. Hein. Voilà, désolé. Donc là, je reviens de se trancher juste là-bas. Et en fin de compte, parce que mon tracé était là. Il était juste là. J'étais jusqu'au bout et là, je suis revenu par là. Et en fin de compte, j'ai raté une cible avant. Bah, j'ai raté une cible. Voilà. Ça peut arriver à tout le monde. Et donc là, elle est là. Et on va regarder ce que c'est. Alors. Ah, c'est là. C'est dans... Ah bah d'accord, ok. Voilà. C'est un anneau. Hop là. Ouais, un anneau. Un petit anneau. Hop là. Cool. Allez, prochaine trouvaille. Voilà, bah écoutez, en regardant de plus près, en fin de compte, c'est pas un anneau, hein, c'est bien une bague. C'est bien une bague. Elle est vieille, mais c'est une bague. Vous pouvez le voir, elle est bien plate ici. Elle est bien plate. C'est bien une bague, hein, c'est pas un anneau. Ouais. Ah bah c'est cool. Allez, prochaine trouvaille. Ah, ça tombe bien là. Nickel. Super. Allez, à tout de suite. Voilà, une nouvelle cible. Et c'est ici. Regardez. Elle est juste là. Voilà. Je ne sais pas si vous pouvez la voir. Là. Voilà. Et ça. Et alors, qu'est-ce qu'on a là? Je peux pas vous dire ce que c'est. Ah si. Anière, je sais pas ce que c'est. Aucune idée. On va la détendre. C'est pour voir. Volt. Ça a l'air d'être un tube. Hein.
sur Kenner. Aucune idée. Voilà. Et de l'autre côté. Ok. À la prochaine trouvaille. La nouvelle cible pour moi. Le dernier objet était juste là. Donc, j'ai pas fait grand chose. Quinzaine de mètres. Et donc là, j'ai une nouvelle cible. Et elle est là. Regardez, et c'est une petite croix. Une petite croix. Voilà. Apparemment, il y avait un petit Jésus qui était inscrit, qui était accroché dessus, il est tombé. Voilà. Et de l'autre côté. Ok. Allez. Prochaine trouvaille. Donc, nouvelle cible pour moi. La croix était juste là-bas. Hein. Oups là. Désolé. Elle était juste là, là où il y a le petit trou, hein, ici. Et donc là, pareil, hein, j'ai une nouvelle cible ici. Et on va voir ce que c'est. Un indice à 11-15. En tout cas, ça sonne très très mal. Et donc, on va regarder ce qu'on a là. Hein. On va juste mettre des gants. Désolé. Si ça bouge. Alors, c'est pas là. Non plus. Ah, c'est ici. Non, c'est pas ça. Non plus. Faux pot. Suspense. Ah, c'était là-dedans. Ok. C'est dans cette motte de terre. Alors. Ouais, c'est ça. Non. Oui. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a là? Hop, hop. C'est encore dans la motte. Hop. C'est encore là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Yes. Ok. Un bouton. Un reste de bouton. Voilà. Ok. Allez, salut ma prochaine trouvaille. Bon, voilà. Après encore une heure et demie, hein. Après le repas, hein, de cet après-midi. Donc là, on va faire le bilan des trouvailles. Donc là, qu'est-ce qu'on avait? On avait le... Je sais pas ce que c'était. Une grosse merdouille. On croirait un cadenas, mais je suis pas sûr que c'est un cadenas, c'est bizarre. C'est bizarre. Là, j'ai un vieux clou. Un vieux clou. La balle de mousquet, ici. Après, une plaque. Pareil, hein, ça sonnait. Ça, c'est pareil, c'est aussi une plaque comment ça s'appelle? En zinc, hein. C'est du zinc. Les deux là, c'est du zinc. Ça, c'était la balle, ici. La balle, une plaque, pareil. Là aussi, une merdouille. Voilà. Après le morceau de plomb. Qu'est-ce qu'on avait encore? Cet objet là aussi, pas filmé par contre. Celui-ci, j'avais pas filmé. Il y a des inscriptions dessus, je sais pas ce que c'est, un couvercle de je ne sais pas quoi exactement. Voilà. Après là, on a. Donc en fin de compte, je pensais que c'était un morceau en plomb. Et ça peut être une boutrole. Boutrole d'épée, mais c'est bizarre. En plomb. Alors, est-ce que ça existe? J'en sais rien. Alors, si vous avez une idée, vous pouvez toujours me laisser un petit commentaire. Ça se pourrait que ça existe, hein, des boutrolles en plomb, mais j'ai un doute. Hein. Voilà, j'ai un doute. Voilà, voilà. Et puis après, ben, toutes les belles trouvailles quand même de ce matin. Comme vous pouvez voir, là, j'ai la première plaque, ici. Petite plaque. Un reste de boucle, deux restes de boucle, la petite boule, pareil, hein. Comme il y avait les chasseurs, donc à mon avis, vu que c'est un coin chasseur, voilà, après la petite croix,
La petite croix, il reste du bois encore derrière. Il y avait du bois derrière. Il y avait du bois. Après cet objet aussi pareil. Je sais pas ce que c'est. Voilà. Après les trois boutons. 1, 2, 3. Cet objet là aussi. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Voilà. Après la bague. Donc ça, c'est pas un anneau, hein, c'est bien une bague. Hein, parce que c'est plat à l'intérieur. Un anneau, c'est rond. Hein. Donc c'était bien une bague, hein, une bague en cuir, ou je sais pas. On verra, on va la frotter. On va la frotter, on verra ce que c'est exactement. En tout cas, c'est sûr, c'est une bague. Voilà. Et puis encore une boucle encore, j'ai oublié. Et le petit pfennig, la seule monnaie de la journée. Mais bon, je pense qu'il reste encore à faire des trouvailles dans ce champ. Hein. Hein. Après, j'en ai peut-être raté, hein, ça c'est sûr. Hein. Voilà. Le petit padding, on verra ça au nettoyage. Je pense qu'on va tirer quelque chose de bien. Et puis cet objet aussi, pareil. On verra ça au nettoyage. Il y a peut-être quelques restes de quelques restes. Hein. On verra. On verra s'il y a quelque chose d'écrit ou des petits reliefs, des petits dessins. Voilà. Bon ben sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Voilà, ou ça dépend à quelle heure vous allez regarder ma vidéo. Hein. Parce que le temps de faire le montage ce soir encore, voilà. Donc elle sera postée demain. Demain ou cette nuit. Voilà. Bon ben écoutez. Sur ce, ben, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis je vous dis à une prochaine sortie détection. Voilà. Hop là. Bande de mosquée qui est tombée. Voilà. Salut, salut. Ciao, 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 ciao. Voilà. Ça, je rajoute juste dans la petite vidéo, hein, ma sortie détection. Par rapport au couple Deus. Hein. Comme quoi, il précisait qu'il fallait toujours demander l'autorisation aux agriculteurs, hein, pour aller détecter. Et donc ils ont tout à fait raison. Hein. Ça coûte rien. Ça ne coûte rien du tout. Voilà. Et puis après, voilà, s'il nous dit oui, il nous dit oui. S'il nous dit non, il nous dit non. Mais voilà, la moindre des choses, des politesses, c'est de ben voilà. De demander tout à ce moment l'autorisation. Donc vous voyez, donc là l'agriculteur il est là. Et je vais aller lui demander l'autorisation gentiment. Parce que j'ai déjà eu l'autorisation pour le champ là où j'ai détecté. Voilà. Et donc ben, on verra ce qu'il en est. Hein. Et puis je le mettrai avec la vidéo tout simplement. Voilà. Allez, je vous dis à plus. Allez, ciao. Bon ben, voilà. Donc ben, la voiture, elle est juste là-bas. Vous voyez, comme disait couple Deus, hein, ça coûte rien de demander l'autorisation. Très gentil ce monsieur, donc il m'a donné l'autorisation pour aller détecter dans ces champs ici. Vous avez déjà l'autorisation pour l'autre champ. Voilà, ben ce que j'ai fait en même temps, c'est cool. Donc là j'ai plein de champs de nouveau, donc c'est super sympa. Plus très gentil monsieur, il habite un village mais que je connais aussi. Voilà, puisque de toute façon il y a beaucoup d'agriculteurs que je connais dans mes environs, donc en général. Comme je connais beaucoup d'agriculteurs, donc voilà, c'est tout à fait logique. Voilà, bon, bah sur ce, hein, je vous dis à plus. Hein. On va retourner à la voiture. Et puis voilà. Hein. Donc, n'hésitez pas à demander l'autorisation. Ça coûte rien. Ça coûte pas. Vous n'allez pas perdre un bras. Voilà. Et au moins, vous êtes dans la légalité. Allez, ciao.